Bonjour, bonjour, bienvenue sur la guidance sentimentale pour le mois d'avril 2020. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour. J'avais dit que je ferais des guidances particulières pour le sentimental, donc nous y voilà et nous allons faire comme d'habitude, prendre dans l'ordre des vidéos qui ont été le plus regardées au mois de mars, pardon. Et donc, c'est au tour des poissons. Voilà, les poissons, bienvenue sur cette guidance, c'est votre tour. C'est votre tour d'avoir une orientation peut-être, vos énergies sentimentales pour le mois d'avril. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des animaux pour avoir justement cette énergie globale qui va vous encadrer, vous entourer pendant ce mois d'avril. Allez, quelle est l'énergie qui va entourer les poissons, accompagner les poissons pendant tout ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui va entourer les poissons? Allez, on va prendre celle-ci. On nous parle d'équilibre, les poissons. Alors, je ne sais pas justement si ce n'était pas non plus dans votre guidance. Général, il me semble qu'on parlait aussi d'équilibre pour les poissons. En combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse, faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Cette carte nous parle d'ouverture sur les autres, elle nous parle aussi d'équilibre. Elle nous dit que peut-être, que ce soit au niveau général ou au niveau sentimental, vous avez besoin de voir les choses sous différents points de vue. Vous avez peut-être besoin d'éclaircissement sur votre situation sentimentale, vous avez besoin d'équilibre en tout cas. Et on vous dit aussi que vous avez une capacité d'adaptation. Hein. En regardant différemment, en essayant de confronter plusieurs points de vue différents, eh bien vous pourriez peut-être avoir un éclaircissement sur votre situation sentimentale. Peut-être. Sur ce qui vous équilibre, en tout cas, comment vous pouvez équilibrer votre vie sentimentale, hein? Vous avez vraiment besoin peut-être d'équilibre et que peut-être cet équilibre passe par des compromis que vous pouvez faire avec les autres ou en tout cas avec l'autre. C'est-à-dire que peut-être pour maintenir l'équilibre, vous avez besoin de discuter avec votre conjoint ou conjointe, vous avez besoin de son point de vue qui peut être aussi différent du vôtre, et en combinant les deux, vous allez pouvoir établir un équilibre sur votre relation et sur votre vie sentimentale en tout cas. Hein, voilà. Alors, cette carte nous parle aussi peut-être d'attente. D'attente peut-être au niveau. Alors, je pense peut-être aux célibataires, qu'il y a peut-être un meilleur moment pour vous lancer. Elle nous dit de prendre un peu de temps pour réfléchir, pour avoir l'équilibre nécessaire pour entamer une nouvelle relation. On parle aussi de ça, hein. Le zèbre tombe bien, c'est vraiment l'animal où qu'on voit équilibré au niveau de ses rayures, par exemple, au niveau des couleurs. Ça symbolise aussi la coopération parce que les zèbres ben, sont souvent en troupeau, hein, donc fonctionnent comme ça. Donc là, ce qu'on vous demande peut-être, c'est d'être en collaboration avec votre conjoint, en collaboration ou conjointe, hein, adaptez-le. Voilà, il y a cette notion-là quand même d'équilibre, en tout cas, et puis de communication avec votre conjoint, de coopérer avec lui. Alors peut-être ça peut aussi être une coopération sur un projet, par exemple, hein, pour retrouver un équilibre au niveau du couple. Voilà. Adaptez-le à votre situation. En tout cas, on nous parle aussi de dualité. C'est-à-dire que peut-être que on a besoin de voir les choses différemment, non pas selon un principe de dualité, mais de pouvoir considérer toutes les possibilités, hein, toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous, et de mettre en place justement ces possibilités, ces projets, mettre en place ces situations pour vous permettre de trouver un équilibre et puis de découvrir la meilleure solution pour votre vie sentimentale. Voilà. Très beau message en tout cas pour démarrer ce mois d'avril. Alors, on continue avec l'oracle intérieur. Je ne m'en lasse pas. On va tirer quelques cartes pour avoir
Ben, votre état d'esprit intérieur pendant ce mois d'avril, c'est un oracle qui me parle beaucoup en tout cas et qui montre bien la situation dans laquelle certains peuvent se trouver actuellement. Donc on va voir ce qu'il en résulte en tout cas pour le mois d'avril. Alors, on nous parle un petit peu, pour certains d'entre vous peut-être, d'enfermement. Peut-être que certains ne sont pas prêts. Voilà, on parlait ici d'attendre le meilleur moment, de trouver l'équilibre. Peut-être que certains ne sont pas prêts parce qu'ils sont peut-être tournés vers eux-mêmes et ont du mal à s'ouvrir sur les autres, ont du mal avec cette nécessité de regarder d'autres points de vue. Peut-être que là, certains sont en état de solitude aussi. Alors bon, on ne parle pas de confinement, hein, on essaye d'élargir un petit peu la vision. Mais en tout cas, on sent que certains sont dans un état peut-être de solitude et ont du mal à s'ouvrir sur les autres, ont du mal en tout cas à s'ouvrir sur une vie sentimentale parce qu'ils sont trop tournés vers ce qu'ils connaissent déjà et ont du mal peut-être à appréhender les points de vue différents qu'ils pourraient rencontrer. Et on sent un attachement, hein. On sent un blocage chez certains d'entre vous au niveau sentimental. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas prisonnier. Mais on sent que certains sont prisonniers. Alors, sont prisonniers de quoi? Je ne sais pas, on va voir. Peut-être justement prisonniers de cette solitude intérieure, vous voyez? Besoin de rétablir l'équilibre pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un... peut-être qu'il y a un attachement, alors un emprisonnement intérieur par rapport aux relations que vous pourriez avoir avec les autres. On sent vraiment qu'il y a un souci peut-être préoccupé par, alors j'entends préoccupé par une situation du passé, c'est-à-dire que vous avez envie, peut-être certains d'entre vous, de tourner le dos au passé et d'avancer sentimentalement, de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de rencontre, hein, ici on le voit, mais que vous êtes quand même attaché peut-être à un passé douloureux qui vous a renfermé sur vous-même, qui vous a empêché de montrer vos sentiments, qui vous a peut-être bloqué à ce niveau-là. Et là, on sent que vous avez besoin de vous ouvrir sur d'autres points de vue, vous avez besoin de vous ouvrir sur les autres et vous avez besoin de tourner le dos à votre passé. Donc, on va voir peut-être avec les autres oracles s'il y a d'autres messages. Mais il y a, en tout cas dans le courant du mois d'avril, ce besoin d'équilibre. Alors, peut-être équilibré entre ce que vous avez connu et ce que vous êtes aujourd'hui, hein, il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire prendre que le positif du passé pour pouvoir accueillir le futur. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, certains sont comme prisonniers. Alors, c'est comme prisonniers d'eux-mêmes, comme prisonniers, en fait, des idées, par peur peut-être d'aller à la rencontre des autres, par peur de s'ouvrir, par peur de ce qu'ils ont connu dans le passé. Il y a cette envie de vouloir tourner le dos au passé, mais on a du mal, hein, on a du mal. Alors, la carte de l'équilibre ici nous rappelle peut-être que ce n'est pas encore le moment, peut-être qu'il y a encore un travail à faire, il y a un travail en tout cas d'ouverture sur les autres, il y a un travail d'écouter aussi ce qu'on peut vous apporter de différent, peut-être, pour évoluer différemment au niveau sentimental, vous voyez, il y a ça aussi. Allez. Je sens hein, de la réticence, ne serait-ce qu'en battant les cartes. Je sens la réticence pour certains poissons d'aller de l'avant. Hein. Il y a un passé qui est très lourd peut-être pour certains et on a du mal à faire confiance. Vous voyez, on a cette carte de pardonner et apprendre. En vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. On sent qu'il y a une difficulté chez vous à pardonner et à vous libérer du passé. On l'a vu avec cette carte, hein, vous avez cette volonté peut-être, cette envie de tourner le dos au passé, mais on sent qu'il y a une réticence quand même, parce que vous avez besoin de travailler simplement sur le pardon, de vous pardonner à vous-même, peut-être les erreurs que vous avez faites, peut-être pardonner aussi aux autres, les erreurs qu'ils ont pu faire.
il y a cette notion d'équilibre, en tout cas, entre ça, entre le pardon pour vous-même, le pardon pour les autres. Vous voyez, on est vraiment dans l'équilibre. Il y a comme une instabilité chez vous au niveau... Alors, on l'a vu peut-être au niveau général, mais qui retentit sur le domaine sentimental. Et on sent que vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre simplement aussi, équilibrer votre vie personnelle, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Voilà, adaptez-le aussi à la situation, hein. On parle vraiment d'équilibre. Alors, on sent hein, vraiment que ça va passer par... Quand on a la carte de résoudre vos problèmes familiaux, c'est vraiment que peut-être que vraiment dans le passé, vous avez connu des difficultés au niveau amoureux, en tout cas certains d'entre vous. Peut-être un exemple parental qui ne vous a pas satisfait, hein, peut-être, des parents divorcés ou des parents qui se disputaient, donc du coup ça retentit sur votre vie sentimentale. Voilà, adaptez-le en fait à votre situation, mais on sent qu'il y a d'abord ça à résoudre, avant de pouvoir vous tourner vers une histoire sentimentale équilibrée. Hein. On vous dit d'être optimiste. On vous dit d'être optimiste quant à votre vie amoureuse parce que en gardant une pensée positive par rapport à la situation, par rapport à vous, en pardonnant à ceux qui vous ont mis en échec. Ça peut être vos parents, ça peut être des personnes que vous connaissez, ça peut être vous-même, un ex-conjoint, une ex-conjointe. Voyez, adaptez-le. Mais on sent quand même qu'il va falloir pour vous aujourd'hui rester optimiste quant à votre vie amoureuse. Donc, pensez positif pour pouvoir vous apporter du positif et pouvoir retrouver l'amour si vous l'avez perdu en tout cas. Alors, si vous n'avez pas perdu l'amour, si vous êtes en couple actuellement, ça peut simplement vouloir dire aussi qu'il y a quand même des situations du passé, peut-être des échecs que vous avez connus, qui vous empêchent aujourd'hui d'être équilibré dans votre vie de couple. Et qu'il serait bon, peut-être pour certains d'entre vous, de résoudre ces problèmes avant de pardonner, d'apprendre pourquoi vous êtes aujourd'hui déséquilibré par rapport à ça, pour pouvoir aborder un peu plus de sérénité dans votre vie amoureuse. Mais on vous dit de rester optimiste quant à votre vie amoureuse parce que vous allez réussir à débloquer la situation. Il va falloir faire preuve ici de séduction, il va falloir faire preuve avec l'attirance. On est vraiment dans profiter du moment présent, c'est-à-dire renoncer à ce passé qui vous alourdit, ce passé qui vous emprisonne, hein, ce passé qui vous rend seul finalement pour attirer des choses positives, pour attirer l'amour tout simplement. Hein. On parle vraiment d'attirance, on parle vraiment de vivre pleinement le moment qu'on vous apporte aujourd'hui. Hein. Votre façon de vous exprimer, votre façon de voir la vie plus positive, votre langage corporel, ça va être vraiment significatif de ce que vous allez attirer, d'accord ? En revanche, tout ce que vous allez pouvoir vivre au niveau de votre stress, tout ce que vous allez pouvoir vivre au niveau de votre angoisse, va augmenter les tensions et du coup va peut-être vous faire perdre encore plus l'équilibre. Voyez ? Il y a vraiment cette notion de devoir retrouver l'équilibre, d'enlever cette peur qui vous préoccupe, la peur peut-être de ce passé, la peur de ce que vous avez vécu et du coup qui vous isole complètement et qui vous renferme un peu sur vous-même, qui vous empêche de vous ouvrir sur les autres. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là en tout cas pour le mois d'avril, hein, pour vous les poissons. Allez, on prend quelques cartes du chakra du cœur. Alors, j'ai bougé un peu la caméra, voilà, pour que vous puissiez avoir toutes les cartes.
Alors, on nous parle quand même de fusion des sentiments, hein. Alors, on nous parle de nouvelles rencontres. Effectivement, si vous êtes dans l'optique de vouloir rétablir l'équilibre et si vous êtes dans l'optique de vouloir assainir un petit peu la situation par rapport à votre passé qui est douloureux, vous allez être dans cette optique de nouvelles rencontres. Et on dit que cette nouvelle rencontre, elle pourrait être proche à condition de résoudre avant vos problèmes familiaux. Hein, on est vraiment dans... ces deux cartes sont l'une sur l'autre. On voit bien que vous avez besoin, en tout cas, de faire le point sur, sur votre passé, de pardonner, de résoudre vos problèmes pour pouvoir avoir une nouvelle rencontre ou simplement pour voir fusionner au niveau des sentiments si vous êtes déjà en couple au niveau de votre partenaire. Hein, il y a vraiment ça. Donc, prenez-le, homme, femme, brune, prenez-le pour vous. Si vous, voilà, si vous, la couleur de cheveux importe peu. En tout cas, on parle ici de nouvelles rencontres. On parle de fusion des sentiments pour les couples existants. On va voir s'il y a une dernière carte, peut-être. On parle aussi de relations discrètes, secrètes. Peut-être que certains d'entre vous ont ce désir d'être discret dans une relation qui commence. Hein, si vous avez rencontré ou si vous allez rencontrer dans le courant du mois d'avril quelqu'un qui est de nouveau, une nouvelle rencontre, vous avez peut-être cette envie que cette relation soit discrète, soit secrète. Alors évidemment, adaptez-le. Ça peut être simplement un désir, simplement d'attendre que ce soit le bon équilibre trouvé pour pouvoir asseoir la relation. Et du coup, vous avez plutôt envie d'avoir une relation discrète. Simplement, c'est votre tempérament. Vous êtes assez discret dans vos relations sentimentales. Donc, vous avez vraiment ce besoin d'être dans la discrétion, d'être dans le secret. Voilà. Voilà pour le mois d'avril, les poissons. Donc, un retour quand même sur votre passé, sur vos échecs, sur les situations douloureuses que vous avez pu connaître, pour en faire le bilan et tirer le positif de ces situations et retrouver un équilibre au niveau sentimental. On sent qu'il y a un besoin, en tout cas, de retrouver cet équilibre avant soit de vous engager dans une nouvelle relation, soit simplement de consolider une relation déjà existante. On vous dit en tout cas que vous pouvez être optimiste quant à votre vie amoureuse. Ça veut dire que vous êtes protégé dans le courant du mois d'avril, vous êtes protégé par rapport à ça. Et si vous faites ce travail de vous pardonner, de pardonner aux autres, et d'avoir peut-être... d'écouter un point de vue différent du vôtre, peut-être que vous allez effectivement voir la vie plus sereinement, avec optimisme, avoir foi, avoir confiance en vous, confiance aussi en l'autre, pour pouvoir avoir une relation équilibrée et sereine. Allez, un dernier message de l'oracle des amoureux pour vous les poissons pour le mois d'avril. Alors, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, un beau message pour finir ce tirage. On parle d'espace de liberté, on parle de rencontres fusionnelles, de ne pas réclamer quelque chose comme un dû, mais que l'amour, en fait... ne réclame pas, il donne tout simplement. S'il est là, si l'amour véritable est là, il donne. Donc, préservez l'espace de liberté que vous avez pour vous et pour la personne avec qui vous partagez votre vie, si c'est ce cas-là. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour vous les poissons. Donc, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril 2020. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire. On n'est pas encore au mois d'avril, donc ça peut ne pas parler tout de suite, mais en tout cas prenez ce qui résonne en vous et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà, en attendant je vous dis merci d'être là
Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Passez un bon mois d'avril. Au revoir.